Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait une éternité que j'ai rien posté. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler du film Les Parfums que j'ai eu la chance d'aller voir en avant-première ce soir. Donc, on est le mardi 30 juin. Il sort demain, mercredi 1er juillet. Donc, c'est un film avec Emmanuel DeVos et Grégory Montalcin. J'avais peur d'écorcher son nom. Donc, pour les résumer, on commence tout de suite. Donc, en fait, on va suivre deux personnages principaux. Un des deux, c'est Guillaume, joué par Grégory Montel. On va suivre Guillaume, qui est chauffeur et qui a un peu de problème de sous et tout et tout. Et qui, pour avoir la garde alternée de sa fille, en fait, fait le chauffeur et voilà. Donc, à un moment, son patron va lui demander d'aller chercher, de faire le chauffeur pour mademoiselle Anne Valberg, qui est née, c'est-à-dire qui crée des parfums, tout ça, tout ça. Et du coup, au début, ils ne s'entendent pas super, et au fil de l'histoire, ils vont s'entendre, etc. Bon, bref. Voilà, pour ce qui est du résumé, je ne vais pas vous spoiler davantage. Pour ce qui est de mon avis maintenant, comment dire? Moi j'ai beaucoup aimé, parce que je m'attendais à vraiment des choses très clichés. Alors oui, l'histoire est cousue de fil blanc, ça je suis totalement d'accord. Mais je trouve que le réalisateur, donc c'était tourné par Grégory Magne, le réalisateur c'est Grégory Magne, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa façon d'aborder le sujet, c'est déjà la documentation qu'il a eue sur les nez, ça j'ai beaucoup aimé. C'est pas du grand n'importe quoi sur cette profession. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la légèreté des moments comiques, en fait, des moments drôles. À aucun moment on ne tombe dans le pathos, que ce soit sentimental, le pathos pas très drôle ou quoi que ce soit. Je trouve que l'humour est très bien amené, c'est très léger, très 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 léger. Et je trouve que justement le fait que ça soit, comment dire, je change de main, je commence à avoir mal au bras. Je trouve que le comique du situation, en fait, c'est, les dialogues sont très drôles, mais autant de dialogues drôles que de comique de situation, mais qui n'est pas du comique de situation trop lourd, dans le sens où ça provoque le rire, mais pas un rire forcé, voilà. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, après c'est cousu de fil blanc, on se doute bien de comment ça va se terminer, et c'est comme on l'imagine, la fin, mais ça fonctionne, ça marche, voilà. Donc moi je vous conseille de le voir juste pour l'interprétation d'Emmanuel DeVos et de Grégory Montel, ça vaut le coup juste pour ça au moins. Et si vous voulez passer un bon moment, alors je vous préviens tout de suite, on ne rit pas aux éclats dans ce film. Clairement on n'a pas de gros fou rire, mais on rit quand même pas mal. Voilà, il y a quelques moments très drôles, surtout un moment où il parle d'un hôtel, vous comprendrez si vous allez voir le film. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle ce passage là. Bref, voilà, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.